Chaque vendredi, 8h, le 6-9 reçoit une personnalité. C'est le guest du vendredi sur Énergie. On y va sur Énergie Antilles, 8h37, on reçoit aujourd'hui une pointure de la musique antillaise. Vous la connaissez avec des sons comme celui qu'on vient de s'écouter, ou encore celui-ci, ou encore celui-là. C'est un plaisir de la recevoir aujourd'hui. Allez, Perla, ma bonjour. Bonjour Hugo. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Oui, super. Ouais. Bah, un coucou à tous les auditeurs d'Énergie Antilles. Voilà. Ouais, je suis contente d'être là ce matin. C'était le parcours du combattant sur la route, mais on y va. Magnifique. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Même si on a dit, elle est restée là des heures. Dans les embouteillages. Ouais, j'ai bien aimé le petit remix ce matin, Stéphanie. Ouais, j'ai entendu. Elle a écouté. En tout cas, on est content de te recevoir et encore plus en cette période de fête de Noël, puisque pour Noël, c'est Perla Lama qui nous fait un cadeau. Exactement. La version en créole. Comment tu disais, tu t'appelles Maria Caribbean, c'est ça? C'est Maria Caribbean. Mais alors, d'où t'es venue l'idée de ce morceau de faire la version créole? Je vais dire que c'est le contexte actuel en fait. C'est-à-dire que on a traversé une année très difficile. On traverse toujours. Ouais, c'est clair. Mais comme elle est en train de se terminer, je parle d'elle déjà au passé parce que il faut la boucler et en beauté. Donc j'ai voulu en fait quand même, malgré tout ce qu'on a traversé là, pour donner une petite lueur d'espoir en tant qu'artiste, parce que franchement c'était dur pour nous. C'est encore dur parce que on sait pas ce qui nous attend demain. Et voilà, j'ai envie de dire que finalement si la musique peut nous rassembler. Exactement. En plus c'est Noël, quoi, je veux dire, c'est un moment c'est la bonne raison pour être ensemble. En tout cas, il est magnifique le morceau, hein. Je pense qu'on peut le dire. Mais bravo à toi. C'est tous tes morceaux de Noël, magnifique. C'est au top. Stéphanie. Est-ce que tu as fait ta liste au Père Noël cette année? Comme c'est moi qui s'habille en Mère Noël, visiblement, c'est moi qui distribue les cadeaux. D'accord. Justement, Hugo voudrait une PS5. Oui, moi, un iPhone 12 aussi. D'accord, alors moi, je vous explique. Coucou, il y a mon un petit garçon. Qui es-tu? C'est qui? Je veux une Switch. Il veut la Switch. Avec un pistolet. Aïe, bon, Mère Noël, tu as pris note de ce qu'il veut. Justement, c'est ce que j'allais expliquer. En fait, Mère Noël, elle distribue les bisous, les hugs, les jolies chansons. Ouais, vous voyez, attendre Mère Noël. Rien de matériel. Tout ce qui vient du cœur, c'est Mère Noël. Père Noël, lui, on le laisse Le matériel, c'est tout ça. Voilà. Ok, ça roule. Perla Lama est avec nous sur Énergie. Vous voulez lui poser vos questions, pourquoi pas 0825-825-696. Allez, on reste en mode Noël, justement. Un son sur lequel t'as chanté avec Izike Nenga, Micheline Ma Mona. Aïe, Stéphanie est fan du son. On l'écoute, 8h40 sur Énergie. On revient avec Perla Lama, notre guest du vendredi. Et nous sommes toujours avec Perla Lama sur Énergie Antilles. Ouais. Ça va, Perla? Oui, c'est un plaisir parce que justement Stéphanie faisait les chœurs. Pendant le son, c'est formidable. Et puis elle nous racontait comment, justement, depuis très jeune, elle chante cette chanson chaque année. Mais oui, chaque année. Tu vas nous faire un petit bout? Mais oui, allez, c'est parti. Allez, pour nos jeunes femmes, mes amis. Je vous pardonner tous vos amis. Comme Hugo. Sorti là. Bon, justement, ça va être l'heure de la rubrique de Stéphanie. Yes. Perla Lama, vas-y, mets-toi en condition. Donc là, Perla Lama, dans ma rubrique, on est très acteur. Donc moi, je suis la CPE et tu es l'élève. Oh, papa. Donc, on t'a pas vu depuis un moment. Justifiez vos absences. Oui, oui, oui. Madame, écoutez... C'est-à-dire que vous comprenez, j'aime bien faire aussi mes cours en visio, quoi. Ah, d'accord. J'ai suivi vos cours, madame, mais c'était ce que vous avez posté. Alors, ça, c'est une question d'auditeur. Il demande si Perla Lama, est-ce que c'est ton vrai nom? Je suis toujours l'élève. Oui, l'élève, hein, parce que là, j'ai une fausse carte d'identité, donc je voudrais savoir si c'est vrai ou pas. Écoutez, madame, je pense que ma maman m'a donné ce prénom-là. Hein, oh, c'est mon vrai prénom. So cute. Mais les papiers pour les faux papiers, je ne sais pas, madame. Ah, mon Perla, mais c'est ton vrai prénom, Perle. Oui, c'est mon vrai prénom. Ça m'inspire. Vrai. Ensuite, on a vu sur un site, Hugo et moi, d'infos musicales, que ta mère
Qui c'est? C'est Jocelyne Béouin. Je te jure, je te montre. Hein. J'ai dit, on était pas au courant. Eh bien, tu vois, voilà. Ça, c'est le résultat des chroniqueurs hein, qui font le téléphone arabe hein, et puis qui, voilà, écrivent des choses. Je sais pas comment ça arrivait comme ça. C'est vrai. Tati Jocelyne, je suis désolée. Tu es ma maman de cœur, c'est vrai, je t'aime beaucoup, mais ma maman aussi, je l'aime beaucoup. Voilà. Aussi, ouais. Alors, c'était une fake news. Alors. Ouais, voilà. Mais c'est ta maman spirituelle, peut-être. Ouais. C'est voilà, ça. On peut bien dire dit. Ça. C'est oh, top, alors. T'es pour Hugo. Oui, merci. Oh là là. Merci. Mais c'est bon, vous pouvez retourner en cours. Allez, mais faites votre bulletin d'absence quand même. Grave. Et mon tableau d'honneur, madame. Mon tableau d'honneur. Non, non. Les satisfaits, si, tout ça. Par visio. 8h51 sur Énergie Antilles. Encore quelques minutes à passer avec notre guest du vendredi, Père Lamar. Tout va toujours bien? Très bien, Hugo. Très bien, magnifique. Stéphanie. Ah bah je disais justement que je sais en featuring avec Princess Lover, enfin en duo, featuring comme on veut, que ça. Ça fait beaucoup de couples. Ah oui! Et ah elle, oui. Elle m'a dit quoi? Tu m'as dit quoi, Stéphanie? J'ai dit pas moi. Elle a dit non, non, moi c'était plutôt la rupture. Merci, même si au party. Mais ben voilà, party. Ah, tu connais. Eh oui. Bon, on va refaire un petit peu la jeunesse de Père Lamar. Alors, tu as gagné à 14 ans le premier prix du concours JM Harmonie. C'est et c'est ça. Un peu là que tout a démarré, en fait. Exact. Ouais. Et après, s'en est suivi une multitude de hits, etc. Mm-hmm. De collaborations également. Thierry Cham, Chris Sahel, Soumia, Admiralty et j'en passe. En fait, tu as fait tellement de choses qu'on peut se demander. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce qui te fait encore rêver? Est-ce que tu as encore des objectifs, des envies dans la musique? Bah ouais, hein, je pense que faire de la musique, c'est vitam aeternam, quoi. Donc moi, je vais le faire tant que j'ai encore le souffle de vie qui me permet. Et franchement, aujourd'hui, de voir la réaction des gens par rapport à ma version Maria Caribbean. Oui. Ben, je trouve que voilà, ça montre encore une fois que les gens ils peuvent ressentir le côté humain qu'on peut avoir aussi dans la musique, quoi. Je veux dire, ça rappelle à chacun de nous l'enfant qu'il y a en nous. Et si tout le monde a réagi aussi bien, ça veut dire aussi qu'on a envie que le futur soit différent. Donc moi, en tant qu'artiste, je me dis j'ai encore une longue vie devant moi, mais ça fait longtemps que je suis là. Je suis encore jeune, parce que ça donne l'impression aux gens que... que tu as 50, 60 ans, mais non, on n'a pas tout ça, on n'a pas tout ça. Donc c'est juste que j'ai commencé tôt, voilà, un peu comme Michael Jackson. Mais oui. Mais voilà, je suis encore fraîche pour donner plein de belles musiques, je pense. Ouais. Ça marche. On a des auditeurs qui nous ont laissé des questions sur les réseaux sociaux. Alors, on a Chabine Lacaille qui nous demande, as-tu des enfants et accepterais-tu qu'ils se lancent dans la musique comme toi? Laisse-le répondre. Alors Maëlle, dis-leur tout. Dis-leur comment tu t'appelles. Dans le studio. Omaël. Bonjour Omaël. Bonjour. Il est trop mignon. Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu es chanteur, toi? Tu chantes? Non. D'accord. Est-ce que tu as envie d'être chanteur quand tu seras grand? Peut-être. Ok. Bon, ça se construit, ça fait le petit chemin dans la tête. En tout cas, il est acteur, hein, parce que c'est lui qu'on voit dans le clip. C'est d'accord. Ça, oui, on l'a reconnu. Mais oui, c'était à la Batelière Plaza, on l'a vu, c'était bien. Tu es content d'avoir joué dans le clip? C'est bien ça! Ah, trop bien! Et est-ce que maman est d'accord pour qu'il ait une carrière musicale éventuellement? Ah bah écoute, ou pas c'est-à-dire que. C'est qu'on m'a été chauffeux. Et pourtant, il chante super bien. Ah, mais c'est vrai que c'est un milieu, faut aimer ça quoi. Hein. Ouais. Donc après, ouais, je serai là pour l'encourager, pour l'aider à. Faire face à cette industrie. Ah ouais. C'est clair. Ça marche, c'est noté. Une question de Rafou. Alors, est-ce qu'un jour on pourra entendre Père Lamar sur de la trap music? Oh là 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 là. Ah, j'aime cette question. Oui. Ça veut dire que aujourd'hui, on ne me voit pas avec des limites. On ne me voit pas que dans un style. Et franchement. C'est dans mon futur. Ouais, c'est dans mon futur. Ah, on a hâte de voir ça. On verra ça. On a changé les bras. Un futur proche. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? MC Pearl. MC Pearl. MC Pearl là-bas, wesh. PL. Et une petite dernière pour la route. Question de Titiri. Comment est-ce que tu vis la pandémie actuelle de Covid-19, toi? Comme tout le monde, ça donne des hauts le cœur, ça donne le vertige, ça donne des sueurs froides. Et en même temps, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de vivre, on continue. Et puis, je me dis cette humanité a déjà traversé beaucoup de pandémies, beaucoup de choses terribles et elle a surmonté. Donc, je pense que peut-être qu'on est face à une nouvelle bataille et une nouvelle victoire. Voilà, j'espère qu'on sera gagnant.
Voilà. Ok, beaucoup d'espoir. Et puis bah, avec ta musique notamment, ça passe plus facilement quoi, toute cette pandémie. Ah, ça fait plaisir, bon merci Hugo. Yeah. La musique adoucit les mœurs. Si c'est moi qui l'a dit, c'est vrai, mais Hugo, il m'a l'impression. Tout ce que je dis, je le pense. Et bien bah, pour finir, on va faire un petit point sur ton actu. Qu'est-ce qui va bouger pour toi? Nouveau clip, nouveau titre? Carrément, ouais. Je pense que d'ici quelques semaines, vous pourrez me découvrir justement sur du trap music. Oh, yo, yo. Aïe, 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 stay connected. Voilà, mmh. Donc voilà, j'espère avoir de bons retours du public. Et puis bah là, pour l'instant, on profite de cette fin d'année qu'on boucle en beauté avec nos proches, avec les gens qu'on aime, avec les gestes barrières. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Perle Lama. Yes, merci d'être venue, notre guest du vendredi. Bon week-end à toi. Merci à toi, bon Hugo. Week-end. Merci à toi, Stéphanie. Merci à toi, la fille dans l'ombre. Alicia, la fille dans l'ombre, qui filme. Merci beaucoup. Et puis bon week-end à toi. Bon week-end, nos auditeurs. Bisous, tout le monde. Bisous. On se laisse sur du bon son. Pour Noël sur Énergie, Perle Lama. Bon week-end. Bisous. Bisous. Bisous.